Bonjour, c'est France, Justine. Aujourd'hui, je vous présente le réseau PEDA-Yoga et pour surtout ce que nous cherchons à obtenir comme partenaire PEDA-Yoga. PEDA-Yoga, comme je vous l'ai dit à maintes reprises, si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est vraiment grâce à ma fille Daphné que PEDA-Yoga est née. Une enfant qui a des besoins particuliers. Daphné a maintenant 17 ans et en tant que pédagogue, je cherchais vraiment une méthode qui aidait ma fille à apprendre différemment. Donc, PEDA Yoga est né d'un moment un petit peu plus difficile pour moi en tant que maman. C'est un moment où j'ai sorti Daphné du système préscolaire pour ouvrir un centre éducatif, un centre préscolaire. Et c'est là qu'est devenu le laboratoire PEDA Yoga. Donc, depuis que Daphné est toute petite, elle fait un peu de yoga, un peu de visualisation. Elle a eu des thérapies aussi avec des ergothérapeutes, orthophonistes. Et tout ça, toute l'expérience dans ce laboratoire qui, à ce moment-là, s'appelait le Centre Harmonie. De là est née la méthode PEDA Yoga. Le personnage Namasté, lui, le personnage que vous voyez là, le petit singe, c'est vraiment un singe qui est vraiment à l'image de Daphné, ma fille. Cheveux bruns, yeux bruns, élancé, très actif et surtout qui a certains troubles de langage, donc de communication. Namasté est là pour présenter le PEDA Yoga aux enfants. Et surtout de montrer les techniques et les méthodes que nous présentons dans PEDA Yoga. Donc, que ce soit le yoga, les postures, le mouvement, la polarité, le massage, toutes sortes de techniques qui sont très, très, très bénéfiques pour le développement de l'enfant. Maintenant, aujourd'hui, mon but, c'est de vous présenter les formations et le réseau PEDA Yoga, mais surtout de vous inviter, vous, chers animateurs, pédagogues, parents qui voulez faire une différence dans le système de l'éducation, à adhérer à notre réseau PEDA Yoga. Et voici comment vous pouvez le faire. Donc, PEDA Yoga, c'est à la base vraiment une méthode qui favorise le mieux-être et l'apprentissage des enfants par la stimulation de la concentration des enfants. On développe des méthodes, des techniques qui s'insèrent très bien dans l'éducation des enfants et c'est ce qu'on enseigne dans nos niveaux de formation. PEDA Yoga, en fait, c'est vraiment une entité, c'est une marque de commerce maintenant, c'est traduit en plusieurs langues. Mais on cherche vraiment des partenaires à différents niveaux. Que vous soyez animateur, formateur, que vous soyez un détenteur d'une entreprise, vous avez possibilité de faire affaire avec nous parce que nous cherchons des gens qui veulent faire une différence dans leur milieu et qui veulent amener les formations et les ateliers PEDA Yoga. Des ateliers PEDA Yoga qui ont été grandement testés et montés spécifiquement pour le milieu d'éducation, pour les parents, pour les intervenants, pour les enseignants, pour les éducateurs de la différence. À ce jour, PEDA Yoga, pourquoi on est si fiers? En fait, tant oui, j'ai écrit les livres PEDA Yoga, mais c'est une communauté d'enseignants et d'intervenants qui ont vraiment contribué à monter la collection PEDA Yoga. Donc, on a vendu plus de 40 000 livres. On a une collection complète de matériel que vous pourrez consulter sur le site web. Donc, que ce soit des tapis de yoga, des serviettes, des jeux, du matériel en ligne. On a des guides avec les postures. PEDA Yoga, on a plus de 35 postures. On a plein de techniques inspirées de la musicothérapie et toutes sortes de techniques holistiques. On est offert aussi internationalement grâce vraiment à la formation en ligne ou bien aux gens qui veulent amener ça dans leur pays. Donc, on a un réseau de formation extraordinaire qui est à se développer, mais on a encore besoin de plus en plus de gens qui s'impliquent. Et des gens qui s'impliquent veut dire des gens qui veulent vraiment travailler auprès des enfants, auprès des familles, qui veulent amener les ateliers PEDA Yoga dans leur région. Maintenant, les différents rôles que vous pouvez jouer. Donc, oui, évidemment, vous voyez ici, je vais pointer, vous voyez ici le rôle d'animateur. Donc, ça, c'est la porte d'entrée. Donc, les gens qui veulent suivre les formations PEDA Yoga entrent à titre de rôle d'animateur. Mais on a maintenant un nouveau rôle, celui d'apprenti formateur. Et parce que les gens veulent amener de plus en plus d'explications et faire vivre l'expérience PEDA Yoga, on a cru bon de créer vraiment un réseau et une offre de service pour les gens qui sont animateurs et qui veulent offrir des sessions d'introduction au PEDA Yoga dans la région. Donc, on a monté un curriculum pour vous, quelque chose de facile à offrir dans votre milieu, que ce soit à offrir aux parents, aux intervenants, aux éducateurs de la petite enfance, aux intervenants spécialisés. Donc, vous faites vivre l'expérience d'introduction au PEDA Yoga. Et ceux qui aiment vraiment aller plus loin et qui sont d'excellents formateurs et qui veulent aller plus loin, qui veulent former dans les écoles, qui veulent former les milieux scolaires, préscolaires, les intervenants spécialisés, donc offrir la formation certifiante, à ce moment-là, il y a le rôle de formateur qui existe toujours. Et ceux vraiment qui veulent devenir des partenaires d'affaires avec nous, donc qui veulent une licence d'utilisation de tout le
la marque de commerce, qui veulent vendre les produits, qui veulent vendre toutes les formations, qui veulent former au nom de Pédé Yoga, d'autres formateurs, à ce moment-là, il y a les partenaires de licence qui sont aussi possibles. Alors, différents rôles, différents niveaux pour vos intérêts spécifiques. Les formations Pédé Yoga, donc vous voyez qu'il y a 7 niveaux. Alors, vous voyez ici les rouges, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Alors, c'est toutes des formations qui touchent soit le mouvement, les postures, les émotions, les relations, les visualisations, la pleine conscience. Donc, on a les niveaux avancés. Donc, on a 7 niveaux. Environ 150 $ chacun. On a différents packages, différents forfaits. Et les formations certifiantes sont offertes par nos formateurs qui sont formés spécifiquement pour l'année dans leur région. Donc, ils utilisent le même curriculum, que ce soit en France, que ce soit au Québec, que ce soit dans l'Ouest canadien, que ce soit aux États-Unis. Vous avez un curriculum spécifique qui vous est livré et c'est le but de standardiser dans le fond ce qui est offert dans différentes régions du pays ou de la planète. Et ces formations-là, maintenant, peuvent être livrées aussi sous forme d'introduction. C'est là que le rôle d'apprenti formateur devient très intéressant. Si vous voulez tranquillement vous introduire et changer de rôle d'animateur à apprenti formateur, donc d'offrir un petit peu plus de conseils, de techniques, faire vivre des expériences en introduisant Pédé Yoga, c'est un rôle que vous pouvez jouer maintenant, cher apprenti formateur. Donc, normalement, vous devriez être un animateur, avoir une expérience en éducation et surtout vouloir faire vivre l'expérience Pédé Yoga aux gens. Donc, différents, aussi, vous voyez aussi les matériels, le matériel qui est là. Donc, il y a des guides, il y a toutes sortes d'outils que vous pouvez utiliser dans vos animations Pédé Yoga et dans vos formations ou ateliers d'introduction Pédé Yoga. Donc, on a vraiment une collection extraordinaire si vous voulez vous lancer. Ça a déjà été pensé, créé, testé. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez, dès demain matin, une fois que votre formation est faite et que votre accompagnement d'apprenti formateur est fait, vous pouvez vous lancer dans l'offre de services dans votre milieu. Les différents rôles, je l'ai mentionné, j'y reviens. Donc, vous avez vraiment le rôle d'animateur, apprenti formateur, formateur, les partenaires de licence. Je le rappelle, c'est vraiment chacun pour soi de découvrir qu'est-ce que je veux faire avec Pédé Yoga, quel est mon but dans l'offre que je veux faire dans ma communauté. Il y a aussi des organisations qui veulent aussi offrir des formations, donc je les invite à nous contacter parce que vraiment, il y a des organisations qui sont très implantées auprès des familles et ça peut être très intéressant d'offrir le curriculum Pédé Yoga sous forme d'introduction ou même des ateliers parents. On a aussi un volet enfants besoins particuliers parce que vous savez, mon cœur est dans cette réalité. J'ai une enfant qui a des défis particuliers et c'est important pour moi de continuer à offrir ces ateliers-là et surtout d'adapter nos ateliers Pédé Yoga pour cette clientèle-là. Ils en ont grandement besoin. Les rôles, donc, de l'animateur, nous avons défini quels sont les rôles que l'animateur peut jouer. Donc, la différence vraiment entre animateur, apprenti, formateur et formateur, c'est dans ce qu'ils ont la capacité de livrer. L'animateur va livrer plutôt des séances de yoga pour les enfants ou pour les familles. Ce sont vraiment des séances de yoga. Il n'y a pas nécessairement un curriculum. Vous venez suivre une formation avec nous. Vous voulez être certifié et vous voulez offrir vos services dans votre communauté, auprès de votre ville, auprès des différents centres communautaires. À ce moment-là, c'est à vous de voir à ce que votre rôle d'animateur soit promu dans la communauté. Par contre, il y a des gens qui veulent aller plus loin et qui veulent devenir apprenti formateur. Donc, ils veulent un petit peu plus offrir des services d'introduction à la méthode, un survol des techniques et surtout avoir des ateliers certifiants. Donc, ce ne sont pas les formations 7 niveaux, mais c'est une introduction que vous pouvez offrir à vos milieux. Et il y a beaucoup, beaucoup d'écoles, beaucoup de milieux éducatifs, de centres communautaires ou de centres de la famille qui veulent avoir une introduction. Donc, avant de suivre une formation de 18 heures, ils veulent plutôt savoir c'est quoi pour moi, c'est quoi cette méthode, comment est-ce que je peux l'intégrer, est-ce que je peux vivre une expérience. Et c'est là que, cher apprenti formateur, vous avez un impact et un rôle primordial. Donc, vous avez l'occasion donc d'organiser un événement, offrir une formation, atelier d'introduction et vous faites vivre l'expérience pendant 1h30 à vos clients ou les gens qui participent à vos ateliers d'introduction et ces ateliers-là sont payants. Donc, une autre forme aussi pour vous de générer des revenus en dehors des sessions de yoga que vous offrez. Et les apprentis formateurs, ce sont des gens qui ont vraiment suivi un 3 premiers niveaux, qui ont une expérience en pédagogie, qui sont des excellents
communicateur et nous allons vous aider à offrir. C'est pour ça qu'on a monté une mini-formation pour les apprentis formateurs qui veulent offrir ces ateliers-là dans leur région et qui veulent faire vivre l'expérience PDLE sous forme d'atelier, une soirée, 1h30, et vous offrez le curriculum PDLE pour les apprentis formateurs. C'est excellent. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent vivre ça. Donc, je vous dis, si ça vous intéresse, si vous voulez être la référence dans votre région, travaillez avec nous et surtout faire une différence à développer le milieu de l'éducation et faire une différence auprès des enfants. Je pense que c'est vraiment une formule intéressante pour vous. Et ceux et celles qui veulent aller plus loin, qui ont vraiment la piqûre, qui veulent enseigner les méthodes, les mouvements, les phases de yoga, amener la musique là-dedans et vivre tous les offrir tous les niveaux pédayoga, alors il y a une formation de formateurs et c'est avec notre équipe qui va vous former, qui va vous donner le curriculum, l'accompagnement, le coaching nécessaire pour que vous puissiez offrir les formations PDA-Yoga. Les formations PDA-Yoga qui sont normalement de 6 heures totales, donc par niveau. Mais quand vient le temps de les combiner, donc si on combine la rouge, la orange et la jaune, à ce moment-là, on peut faire des packages très intéressants pour votre clientèle et faire vivre une formation PDA-Yoga très transformationnelle. Donc, si vous avez encore plus le goût d'aller plus loin qu'apprenti formateur et qu'animateur, évidemment, votre expérience, votre curriculum et surtout votre désir de faire une différence va être considéré pour que vous puissiez suivre cette formation-là de formateur. Et normalement, les formateurs organisent des événements, mais ils ont une vaste expérience, un beau réseau. Ce sont des gens qui ont une personnalité charismatique, des gens qui aiment communiquer, qui aiment transformer, qui aiment offrir. Et qui sont confortables. Et ça, c'est vraiment pour vous permettre de vous démarquer et d'offrir plus à votre clientèle. Je suis en recherche, quelqu'un me texte. donc, je vous invite à regarder ce que ça peut vous apporter d'être avec nous dans PDA-Yoga. On veut garder ça simple, mais mon but comme fondatrice de PDA-Yoga, c'est vraiment de faire une différence. Et surtout de ne pas la faire, cette différence-là, de façon à être seule. Donc, je veux m'entourer. J'ai besoin de gens comme vous qui sont passionnés, qui ont les mêmes intérêts que moi et qui veulent vraiment, vraiment, vraiment voir des petits-enfants épanouis et des familles de plus en plus zen. Donc, ce que vous allez enseigner, ce que vous allez retransmettre, c'est très, très, très bénéfique pour le développement de la société. Donc, je pense sincèrement que pour faire cette différence-là sur notre planète, ça prend des gens qui s'allient, qui se rassemblent et qui, ensemble, feront une différence pour le développement de nos jeunes et de nos enfants. Donc, diminuer l'anxiété, diminuer toutes les problématiques associées à l'apprentissage, aider nos enfants à vivre une expérience positive en éducation et surtout des parents qui sont un peu plus zen et qui ont des méthodes éducatives différentes au niveau de la discipline. Donc, je pense que PDA-Yoga peut vraiment vous amener ça, autant du coaching éducationnel que des techniques holistiques qui peuvent très bien s'insérer dans l'éducation des enfants. Je pense que notre communauté virtuelle, nos webinaires, les outils qui sont sur notre plateforme peuvent vraiment vous aider. Donc, on veut être là pour vous. On veut vous aider à développer votre communauté. Et moi, j'ai besoin de votre aide. J'ai vraiment besoin d'avoir des gens passionnés, des gens qui veulent faire une différence. Et ensemble, on va trouver une façon d'y arriver, que ce soit sous le rôle d'animateur, apprenti formateur ou formateur, ou même partenaire d'affaires. Donc, j'ai hâte de vous entendre. Envoyez-nous vos questions et envoyez surtout à info@pedayoga, envoyez-nous une demande si vous voulez vraiment être partenaire avec nous à différents niveaux. Ça va me faire plaisir de communiquer avec vous ou une de mes partenaires d'affaires pourra communiquer avec vous pour vous offrir plus de détails et savoir un peu plus quels sont vos intérêts et comment on peut vous aider. Donc, je vous dis ensemble, faisons une différence. Namasté et merci d'avoir écouté le webinaire aujourd'hui. À bientôt.